Mesdames et messieurs, bienvenue dans Plateforme 8. Le concept du jeu est simple, on est dans une station de métro et je n'ai aucune idée de ce qui va faire. Le prochain arrêt c'est Ryzen, avec les petits trucs qui sont écrits en dessous. Ryzen c'est le premier arrêt, ou peut-être le dernier. On a un monsieur qui est ici, avec qui on peut parler, on était assis là-haut tout à l'heure. Hein. Oh, les miroirs sont vraiment très bien faits. Mais c'est la même rame de métro en boucle. Hello, ça va mec? Oh, est-ce que tu m'entends? Essaye de check son phone, bah, je peux rien check. Hein. Ah, son phone c'est vraiment un écran noir. Hein. Et c'est le même mec, la main posée sur le téléphone. C'est un putain de jeu d'horreur! Vous êtes des connards! J'avais dit pas de jeu d'horreur! J'ai peur! Coucou. Ah, mais vous êtes des connards! J'aime pas les jeux d'horreur! J'aime vraiment pas! J'ai trop peur, je vais me retourner au casque. Ça a l'air d'aller. En vrai, le pire moment, c'est quand tu passes les rames de métro. Mais non, mais je peux pas. Mais non, mais en plus, ça dure une heure, frère. Une heure. Mais j'ai demandé si c'était un jeu d'horreur. Mais le pire, c'est que sur Steam, il y a écrit à aucun moment que c'est un jeu d'horreur. Hein. Aventure, indépendant et simulation. Mais c'est pas un jeu d'horreur. Mais je te jure que c'est comme un jeu d'horreur. Hein. Non, c'est pas le même jeu où il faut trouver la différence entre les wagons. Là, normalement, à ma gauche, il est censé avoir un mec. S'il y est pas, je fais quoi? Je meurs? Ah, je me suis trompé de jeu. Mais c'est pas drôle. À l'aide. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Y'a de l'eau! Y'a de l'eau! J'ai pas compris. Mort? Je vais recroiser la petite fille, c'est ça? Pourquoi il me filme, frère? Mais t'es hyper bizarre, frère. Me filme pas les gens dans le métro comme ça. T'es un abonné, c'est pour ça. Non mais frère, mais au bout d'un moment, ce métro, il a une fin, non? Moi, j'avance. Hein. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, pitié, non, pitié, pitié. Pitié, non! Oh! Lâche-moi! C'est infâme quand je jure que c'est infâme. Non mais je veux pas. Vous voulez jouer avec mes nerfs? Je vais faire un arrêt cardiaque, en fait. T'as changé de ligne. Ah ouais, on est passé au L2, au L1. Non mais t'inquiète, montre-moi, c'est pour un pote. Non, non, vous êtes pas obligé de voir le monstre, hein, les gars. Je vous l'assure que ça va. Je fais quoi, j'y vais? J'avoue que je sais pas du tout quoi faire. J'ai peur. Ah, y'a une putain de main! Mais la folie, frère! C'est une main qui me cherche, hein. J'ai peur. Je fais quoi? Est-ce que j'avance ou est-ce que je le laisse finir? Parce qu'il a pas fait toutes les trucs. Ah, il voulait juste me filer un coup de main. Ah. Frère, il faut se nettoyer les ongles. Frère. Regardez les ongles dégueulasses. Si vos ongles ils ressemblent à ça, faut s'inquiéter. Hein. Marche plus dessus. Non, 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 t'inquiète. Faut éviter de faire ça. Je jure qu'il y a quelqu'un qui marche derrière moi. J'ai peur. J'ose pas me retourner. Si je me retourne, je suis dans la merde. Voilà, il y a quelqu'un qui marche pour tout droit. J'avance. Il y a un putain de screamer qui va apparaître. Je vais mourir. Je me retourne, je suis mort. Y'a un mec bourré, frère. Je me mets à sa place. Hein. Il a pas de tête, il est en train d'avancer vers moi, normal. Je me suis mis à sa place, il va vouloir me niquer. Non? Je suis mort. Change de place. Ah ouais? Non, non, j'ai l'impression qu'il veut me niquer quand même. Hein. Y'a un monde où il te veut. Ouais, mais je peux pas revenir en arrière, donc dans tous les cas, je suis baisé. Juste obligé d'attendre gentiment qu'il vienne me baiser là. Déjà, je suis à la ligne 4. Hein. J'avais plutôt bien avancé. Hein. Là, en vrai, il va juste à sa place. Je pense aussi. Faut juste pas que je le gêne. Vas-y, fais tranquille à ta place, mec. Vas-y, tranquille. Ça va, hein? On est ligne 5. Do not move when it is bright. Ça veut dire quoi, ça? Je vais la défoncer. Elle va me faire peur. Passé, frère. Ligne 6. Y'en a combien? À quoi je suis à? Mugueux. Ok, il m'en reste plus que 3. Hello there. Le mec, il est derrière la porte. Non, je veux avancer.
Voilà, je me remets sous sa place. Ouvre-lui qui s'installe à sa place. Non, non, je sens que si je l'ouvre, je meurs, je finirai pas le jeu. Donc je vais juste attendre. Non, mais en vrai, je pense juste qu'il a du mal à ouvrir les portes. Bienvenue à station 0. Comment j'ai trop le seum, frère. J'aurais pu finir le jeu en 30 secondes. Il me demande de l'aide. Je vais l'ouvrir, il va me baiser. Ouais, c'est bon. Il faut juste pas que je l'ouvre, en fait. Et là, je suis passé au L1. Ok, en fait, faut juste avancer et éviter les anomalies. Juste ça. Rien de bizarre, là. Là, faut juste attendre que ça disparaisse. Et que ça va disparaître, ce sera bon. Après, c'est que je peux rien faire, quoi. J'ai d'avancer. En fait, quand il y a une anomalie, faut retourner en arrière. Et quand il n'y en a pas, faut avancer. Mais je t'assure que je peux pas retourner en arrière. Et vraiment, ils ont dit, dès que ça a disparu, je peux avancer. Sauf que là, ça va pas disparaître, j'ai l'impression. Merde! J'ai voulu l'éviter, j'ai pas réussi. En gros, là, ils disent que il y avait un message avec écrit « Attendez de passer avant pour voir s'il y a une anomalie. » J'en vois pas d'anomalie. Les panneaux, ils sont là. On est bien au niveau 0. Il y a les mêmes stations. On avance comme tout à l'heure. Le mec, il tire son téléphone de la même manière. Là, il n'y a pas d'anomalie. Regardez, là, je pouvais passer. Là, il va y avoir une anomalie, certainement. Il n'y en a toujours pas. Les panneaux, ils sont comme tout à l'heure. Non, je suis en L0. Je vais pas spécialement passer une anomalie ou quoi que ce soit. Dans l'entre-deux, c'est terrible. Je vais passer normal. Je vais mourir. Je suis mort, j'étais dans l'entre-deux, frère. Comment on fait pour passer celui-là? On n'a aucun message. Ça va, les mecs? Faut vraiment que la rame de métro, elle est bondée, hein. Les métro 4 ou quoi, là? Direction porte de Clignancourt? Faites quoi dans la vie, les mecs? Là, le truc, c'est que je ne peux pas passer à la rame d'à côté tant qu'ils sont pas partis. C'est Paris pendant les JO. Il y en a un de vous deux qui s'est pas lavé hier soir. Là, ça pue, hein. Bande de malades, va. Ah, il me dit, vas-y. J'ai peur d'y aller, en fait. Je vais mourir. Regardez. Ok, je suis pas mort. Je vais passer au suivant. Ok, c'est bon. Ok, c'est une nouvelle anomalie que j'avais pas vue. Je suis revenu au niveau 0. Voilà. J'ai fait niveau 2. Et là, je suis revenu au 0. Je me trouve un brin de fou. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose ou pas? J'ai passé 8000 wagons, frère. Ça commence à me saouler. Je vais rage quit. C'est ça l'anomalie. J'ai trouvé! J'ai trouvé! Oh putain de merde. Là, je peux avancer tranquille. En fait, c'était ça le cadre de base. Là, il y a R. On est au niveau 2. Là, on peut avancer au niveau 3. Là, il y a une anomalie. Tout est tout à fait normal. Là, ça, c'est en haut. Ça, c'est en bas. Ça, c'est en haut. On a bien le logo security, machin, machin. Ici aussi. Ici, on a un mec qui se met du shampoing, frère. Tout est normal. Il n'y a rien de bizarre, frère. Là. Do not proceed the next car until the anomaly in car has disappeared. Là, il doit y avoir une animalerie. Une anomalie. Le mec, il a des cheveux. C'est pas ça. Les cadres, ils ont l'air tout à fait normal. Rien de louche. Tout va bien. Le principe du jeu est bien, mais au bout d'un moment, t'as aucune explication. Bah, on se fait chier, quoi. Enfermé dans une boucle où vraiment, où il se passe rien. Hein. À deux doigts de delete ma save data. On va tenter ça. Là, je suis déjà au 1. Là, va y avoir une anomalie. Revenons au niveau 0. Oh putain, j'ai compris. Est-ce que le message, il est pas là pour le wagon actuel et pas pour le wagon d'après? J'ai peut-être mal compris, hein. Faut juste pas le déranger. Le mec, elle est un peu bourré, on sait. Là, je suis au niveau 2. Là, il est censé avoir une anomalie, c'est ça? Elle est peut-être dans le wagon là, en fait, l'anomalie. Elle est peut-être pas dans le wagon d'après, hein. C'est moi qui ai mal compris, en fait. Ouais, c'est pas les cadres. Le sol, il est normal. Au-dessus des trucs, c'est normal. Les poignets m'ont l'air normal. Et là, je suis revenu à 0. J'ai loupé l'anomalie, c'est ça. J'ai loupé l'anomalie, je suis revenu à 0. C'est ça le concept du jeu, en fait. Là, c'est ne regarde pas en arrière. Là, je suis passé au premier truc. Là, il faut lui ouvrir et hop, passer au deuxième. Ensuite, là, qu'est-ce que j'avais fait? Là, c'était resté ouvert. Et j'étais resté assis, j'avais attendu que ça passe. Ok, là, on est au L3. Là, on est au L4. Là, faut avancer sans la regarder. Ok, là, on est au L5. Ok, on se rapproche, il faut qu'on arrive à 8. Là, faut juste pas se faire attraper par les mains. Là, c'est pareil, faut pas regarder. Ok, on est au L7. Ok, on y est presque. Ok, à 8, allez. Il ne manque plus qu'une, s'il vous plaît.
Oh, c'est bon, je suis à la station 8. Allez. Ouais. Oh, c'est bon, frère. Frère, c'était une singerie, ce jeu. C'était pas vraiment un jeu d'horreur. Non, c'était pas vraiment un jeu d'horreur. C'était pire que ça.